Bonjour. Alors, merci de venir pour ce quatrième cours sur Mutori no Rinaga et la langue japonaise. Il est temps aujourd'hui, après ces trois semaines de divers préambules que nous avons faits, de laisser la parole à Mutori no Rinaga lui-même, dont je rappelle qu'il n'est pas né en 1750, mais en 1730. Et alors, nous l'avons dit en conclusion de la dernière leçon, je vous ai dit que j'allais commencer par la fin, puisque nous aborderons en effet son œuvre par l'un des derniers opuscules qu'il nous a laissé. Et c'est une chance de l'avoir, d'ailleurs c'est une sorte de testament, c'est un opuscule qui a été rédigé à l'extrême fin de sa vie, en 1798, donc il lui restait 3 ans à vivre à peu près. Et voici comment il le présente, dans la notice finale, n'est-ce pas, à Togaki. Je divise la citation en deux parties. Je la traduis, rassurez-vous, c'est simplement pour ceux qui connaissent le japonais, pour qu'ils puissent suivre. Alors évidemment, il y a beaucoup de parts de rhétorique là-dedans, mais nous avons sans doute la possibilité d'avoir comme ça l'intention de Norinaga lorsqu'il a fait ce travail. Non. J'ai fini par publier ce livre. Kagi Idetsuru, c'est à la fois donc écrire et le sortir en quelque sorte. Donc, on pourrait dire rédiger aussi. Vous savez bien que ça ne correspond pas à des termes modernes. J'ai fini par publier ce livre. Alors, il faudrait dire sans doute Konofumi et pas Konosho, selon l'habitude bien ancrée de Norinaga de japoniser les termes. Nous reviendrons un peu, bien sûr, enfin, nous reviendrons souvent là-dessus. Donc, il faudra sans doute lire selon Konofumi. Donc, j'ai fini par publier ce livre que mes disciples me demandaient depuis longtemps, n'est-ce pas ? Oshiego, ou Deshi, n'est-ce pas ? Je vous avais dit la dernière fois que Norinaga a passé une bonne partie de sa vie à faire ce qu'on pourrait appeler maintenant des tournées de conférences dans les différents endroits du Japon. On dit qu'il avait 500 disciples reconnus, c'est-à-dire des disciples qui avaient noué des liens formels de maître à disciple entre eux. N'ayant eu que peu de loisirs toutes ces années, je faisais... Je faisais la sourde oreille, mais à présent que j'ai terminé la rédaction de mon commentaire du Kojiki, alors vous vous souvenez, ici il dit Kojiki no Den, qu'on appelle aussi souvent Kojiki Den, qui est le grand œuvre de la vie de Norinaga, qu'il a terminé, là nous sommes en 98, il avait terminé, je crois, en 97, 96, ou, enfin tout récemment. Donc, il estime que son œuvre est terminée. À présent que j'ai terminé la rédaction de mon commentaire du Kojiki et qu'il revenait de plus belle à la charge, je ne pouvais plus faire comme si de rien n'était et me suis donc exécuté monoshitsuru nari, n'est-ce pas ? J'ai fait ça. Alors, ce sont des idées couchées à la va-vite. Niwaga ni omoi okoshitaru shiwaza nareba, n'est-ce pas, donc fait au moment où ça s'est déclenché dans mon esprit. Ce sont des idées couchées à la va-vite. Il resterait beaucoup à dire, mais les débutants y trouveront, je l'espère, de quoi les aider. Isasaka tasukuru yomo arinaya, n'est-ce pas. Donc il fait cela pour les débutants. Et il conclut par ce poème qui va nous arrêter un tout petit instant tout à l'heure. Alors, Ikanaran Uiyamabuni no Asagoromo Asaki koso. Alors, Asaki susono no Shirube bakarimo. Je pense que ça vous dit quelque chose. Ça résonne peut-être chez certains d'entre vous.
Alors, cette notice ne nous renseigne guère sur le contenu du livre, si ce n'est pour nous dire qu'il a été fait que le livre a été fait à la demande pressante des disciples de Motoori. Et nous avons une date précise et précieuse en cet automne de 1798. C'est l'année même où il termine son Kojiki-den. Norinaga accomplit toute son œuvre essentielle, le Genji Monogatari Tama no Ogushi, n'est-ce pas, le précieux peigne du Genji Monogatari, qui est son commentaire du Genji, qu'il a fini quelques années auparavant, et le Kojiki-den, qui vient de finir cette même année. Ce n'était pas 97, c'était 98. Enfin, ou 97, enfin, c'est pratiquement la même année. Le Tama no Ogushi a été fini un peu avant, 4 ou 5 ans avant. Il peut respirer un peu et en profite donc pour faire ce petit recueil de conseils didactiques. Le titre est éloquent et riche en jeux de mots. Je vous le donne maintenant. De toute façon, ce n'est pas la peine de l'écrire en kanji. Il me semble que je ne vous ai pas donné le kanji. Enfin, c'est le Uiyamabumi, qui est un terme presque technique. Ui, c'est le caractère de Hajimu, n'est-ce pas, Hajimeru, Sho. Yama, c'est la montagne, bien sûr. Et Bumi, alors évidemment, il vaut mieux l'écrire en hiragana. C'est pour ça que je ne vous l'ai pas mis, parce que c'est... Et d'ailleurs, je ne vous l'ai pas mis pour une raison précise, enfin, je vais vous l'expliquer tout de suite. Je ne vous ai pas mis les caractères. Fumi est un jeu de mots, vous l'avez bien compris, sur Fumi, qui est la lecture kun de Sho, ou de bun, n'est-ce pas, c'est-à-dire le texte, tout ce qui est texte. Et puis, fumu, le verbe fumu, c'est le déverbal du verbe fumu, donc le nom qui veut dire piétiner, marcher sur, etc., n'est-ce pas, to tread en anglais. Et Uiyamabumi, donc, littéralement, serait le livre cumulé avec le livre de la première marche en montagne, de la première marche en montagne. Alors, c'est un terme presque technique, ce Uiyamabumi, alors écrit au sens de marche, là, et pas de livre, qui désigne la première entrée en montagne pour le débutant. On se doute bien que le terme ne s'adressait pas aux clients du vieux campeur. L'alpinisme sportif n'existait pas encore. Les poètes, certes, gravissaient les hauteurs célèbres, mais surtout en Chine d'ailleurs, mais c'était pour contempler le paysage et en faire un poème. L'expression concernait en tout premier lieu ce que l'on pourrait appelé l'alpinisme religieux, l'entrée en montagne pour y méditer, y pratiquer, y fonder un ermitage, y rendre hommage aux divinités locales. Sanno, n'est-ce pas, le roi de la montagne, par exemple. Et elle s'adressait, cette expression, à ceux qui le faisaient pour la première fois, c'est-à-dire ce qui constituait les prémices d'une pratique qui serait renouvelée à chaque nouvelle saison. Le déverbal fumi, donc du verbe fumu, fouler, mettre le pied, et bien sûr un jeu de mots avec fumi, l'écrit, un mot que Norinaga utilise constamment pour japoniser la pratique de l'écrit, trop considéré comme un art chinois. Et sans vouloir se rendre compte, je pense qu'il savait parce qu'il était trop fin philologue pour l'ignorer, mais sans se rendre compte qu'il ne s'agit pas d'un mot purement japonais, je vous l'ai déjà dit, mais de la japonisation du chinois bun, enfin le caractère chinois bun, n'est-ce pas qu'on prononce en chinois actuel wen, mais cela ne nous concerne pas ici. C'est un mot, un pseudo-mot japonais. Toujours est-il que derrière la métaphore de l'entrée en étude comme une entrée en montagne se voit clairement une dimension religieuse, celle donc de l'entrée en montagne à proprement parler, qu'on appelle yamayiri en japonais, afin de s'y consacrer aux pratiques. Or, c'est un terme qui se trouve surtout employé dans le contexte du shugendo et des yamabushi, n'est-ce pas, vous savez ce qu'on appelait les ascètes montagnards, donc notre maître et ami Hartmut Rottermund a beaucoup étudié en son temps. Et ce culte du Shugendo, des Yamabushi, est un mélange de croyances bouddhiques et d'un culte sans doute plus ancien des montagnes sacrées, culte qu'on pourrait plus ou moins assimiler au Shinto. L'étude, donc, est assimilée ici à cette pratique religieuse, une pratique religieuse
Mais cela n'a rien d'étonnant, évidemment. Encore que... vous allez voir qu'il y a d'autres entrelacs dans cette histoire. Il y a en revanche quelque chose dans ce titre qui devrait nous intriguer. Alors là, c'est quelque chose que je n'ai jamais trouvé, mais je pense que c'est tout à fait envisageable. D'abord, du point de vue linguistique ou philosophique, nous sommes avec Nolinaga, donc à l'extrême fin du XVIIIe siècle, donc vers l'an 1800, et la prononciation de l'époque du japonais est très proche de la langue moderne. Vraiment, c'est pratiquement la même. Il suffit de voir les livres écrits, les livres drôlatiques, n'est-ce pas, les charébons, etc., qui sont écrits dans une langue parlée, c'est quasiment la langue dialectale moderne. Et donc, l'orthographe historique qui est utilisée à l'époque, et qu'il sera jusqu'à l'occupation américaine, jusqu'en 1947, différencie encore, donc c'est le Kyu Kanazukai, n'est-ce pas, le Rekishi Kanazukai, l'orthographe historique, différencie encore des phénomènes désormais assimilés dans la prononciation. Et cette homophonie, d'ailleurs, sera confirmée par la nouvelle orthographe. En particulier, il n'y a plus de distinction entre la lettre hi de hahi, hahi hu heho, n'est-ce pas, et la lettre wi, c'est-à-dire la lettre que l'on écrivait autrefois avec un vieux hiragana que l'on n'a plus, qui n'est plus d'usage maintenant, mais disons qui se prononce maintenant comme le i, n'est-ce pas. Donc le hi et le wi et le i étaient prononcés quasiment de la même façon, surtout lorsqu'ils étaient en médiane. Donc lorsqu'on écrit, vous voyez que voyez qu'ici vous avez écrit Ui Manabi, c'est Shoshinsha, n'est-ce pas, les débutants. On ne prononce pas Uhi Manabi, mais on prononce Ui Manabi, Ui Manabi. C'est-à-dire, donc, on le prononce exactement comme le I. Si bien que le composé Ui Yamabumi, où Ui porte sur le binôme qui le suit, n'est-ce pas, c'est-à-dire Ui Yama, c'est première ascension, et puis en même temps, Ui Yamabumi, c'est la première entrée en montagne. Donc, ça pourrait aussi très bien s'analyser en Uiyama Bumi, c'est-à-dire le texte de la montagne Ui. Alors, qu'est-ce que c'est que la montagne Ui? Vous le voyez, je pense que les plus avancés le voient tout de suite. Cette seconde analyse, Uiyama Bumi, était sans doute la plus immédiate pour un lecteur et surtout un auditeur japonais, puisqu'elle s'appuie sur la comptine que tout le monde connaît depuis longtemps au Japon, n'est-ce pas ? Iroha ni Oedo, Iroha ni Oedo, Chiri no Ruo, Wakayo Tareso, Tsune Naramu. Alors, Ui no Okuyama, Ui no Okuyama, Kyo Koete, Asaki Yumemiji, Eimo Sezu, n'est-ce pas ? Donc vous voyez, Ui no Okuyama, Kyo Koete, et ensuite vous avez Asaki Yomemiji. Oui, Asaki. Et évidemment, vous voyez tout de suite les correspondances. Donc, ce oui veut dire, est un terme japonais, mais purement chinois, et non seulement chinois, mais bouddhique, n'est-ce pas ? Bouddhique, c'est-à-dire oui correspond, ça s'écrit avec les caractères adi et Yu et Tame, n'est-ce pas ? Et ça veut dire le confectionné, le phénoménal, ce qui est composé, le sanskrita. Et oui, dans cette petite comptine de Kukai, que je ne vais pas vous expliquer, d'ailleurs nous l'avons vu au cours d'introduction au sino-japonais, cette petite comptine qui est une comptine alphabétique, c'est un procédé mnémotechnique pour retenir le syllabaire japonais, pas l'alphabet, mais le syllabaire japonais. Et c'est entièrement bouddhique.
Il a comme particularité de n'utiliser qu'une fois chaque syllabe, donc ça, avec les 47 termes, vous avez toutes les syllabes. Et non seulement c'est bouddhique, mais c'est un décalque d'une très vieille stance bouddhique transmise en chinois qu'on appelle la stance du Jouvenceau des neiges, de l'immortel des neiges, n'est-ce pas ? Sesenge. Donc je ne reviens pas là-dessus, mais c'est entièrement bouddhique. Et ce Uiyama, Uino Okuyama Kyokoete, aujourd'hui donc, franchissez la montagne profonde Okuyama Ui du phénoménal, et ensuite Asaki Yume Miji, vous ne verrez plus de rêves superficiels, et Imo Sezu, vous ne serez plus enivré par cette pseudo-réalité. Lorsque vous lisez Ufiyama, tous les Japonais de l'époque lisent Uiyama et ils pensent tout de suite à cette comptine, n'est-ce pas ? Franchissons aujourd'hui la dernière montagne du conditionné. Voilà ce que ça veut dire. Alors, on estimera peut-être que je me laisse égarer par mes tropismes bouddhologiques, mais si l'on se rappelle que le vers suivant de Irohano Uta est Asaki Yume Miji, donc Asaki Yume Mishi, n'est-ce pas ? L'on ne verra plus de songe creux ou peu profond, on ne peut que s'interroger sur la présence du même adjectif à la même forme au début de la seconde partie du poème, le Shimonoku. Vous voyez que le premier vers, Ikanaran, qu'en est-il ? Dosuru desho, n'est-ce pas ? Ça ne veut rien dire, c'est une sorte d'expletif pour commencer. Le poème commence vraiment à Uiyama Bumi, à Uiyama. Et ensuite, la seconde partie, donc ça c'est le Kaminoku, et la seconde partie c'est Asaki Suso. Vous voyez qu'il reprend exactement les deux termes de la comptine de Kukai. Donc ce qui fait que Uiyama se trouve en tête du second vers, du second vers du premier Kaminoku, et il est à sa suite logique, Asaki, superficiel, est bien visible au début de la seconde partie du poème. Je pense que je voulais... Alors, ce poème, je le traduis ici, mais bon, c'est pas... Qu'en sera-t-il de cet habit de chanvre à Sagoromo pour une première escalade ? Il servira bien de guide jusqu'aux pentes les plus basses. Alors, vous voyez, Asagoromo, il y a aussi le jeu sur Asaki, n'est-ce pas ? Et Asaki Susono no Shirube Bakanimo, le petit opuscule que je... Oui, excusez-moi, il était écrit ici, n'est-ce pas ? Dans le titre du livre et dans le Uiyama Bumi. Donc, vous voyez que on a bien Uiyama et Asaki, ce n'est pas du tout, ça ne peut pas être une coïncidence pour un japonais de l'époque. Alors, peut-être par jeu, peut-être par l'un de ces chiasmes idéologiques et religieux auxquels nous sommes désormais habitués dans le contexte de l'assimilation des Bouddhas et des dieux, Norinaga marque ainsi son opuscule comme le guide qui permettra de dépasser la dimension phénoménale des choses. Il y a une pointe d'humour. Reprenant à son compte un vocabulaire bouddhique à première vue incongru. Et pour enfoncer le clou, si l'on peut dire, ce même poème final, et cela n'aura pas échappé aux éditeurs du cours de l'an dernier, rappelle étrangement le poème final du Genji Monogatari, sur lequel nous avions beaucoup insisté. Répétons-le ici, n'est-ce pas ? Nori no shito tazunuru michi o shirube nite omowanu yama ni fumi madou kana. Vous voyez, vous trouvez le shirube, Yama et Fumi, encore une fois. Ce sont des rappels, et vous vous souvenez de ce poème qui est le dernier poème du Genji Monogatari, qui est tout à fait désabusé, qui est un constat d'échec bouddhique, n'est-ce pas ? Je vous en donne une traduction, je vous en suggère une traduction. « Me laissant guider par la voie où je cherchais un maître de loi, en une montagne imprévue à laquelle je n'avais pas pensé, Omowanu, je me suis égaré. » Nous retrouvons chez Norinaga l'écho de ce dernier poème, marqué par les mots Shirube, le guide, et Fumi, marcher. Vous avez. À la différence du constat profondément atterré de l'échec d'une vie
ou plutôt des multiples vies des protagonistes de Genji, Norinaga exprime le souhait que son livre, lui, en revanche, servira à quelque chose. Bien qu'incomparablement plus humble avec son habit de chanvre, là aussi, avec les splendides atours des personnages du Genji, vous voyez, c'est le Asagoromo qui est un vêtement d'assaise, il y a un contraste avec la splendeur des personnages du Genji. N'oubliez pas que Norinaga a passé la moitié de sa vie sur le Genji, n'est-ce pas ? Il montrera mieux ce qui n'est précisément pas explicité dans ce poème, le terme fondamental mais caché que l'on comprend cependant si l'on se réfère au poème du Genji, parce que vous voyez, il n'y avait pas Michi dans le poème de Norinaga, mais il est ici, Tazunuru Michi, ou Shirube ni te, n'est-ce pas ? Le guide sur la voie, c'est bien la voie. Mais nous verrons, je l'espère dans peu de temps, que le fait même que le mot « voie » ne soit pas exprimé ouvertement, qu'il soit plus que caché, j'oserais dire qu'il soit, Hegel aurait écrit « aufgehoben », n'est-ce pas, c'est-à-dire « subsumé », n'est pas qu'un simple procédé littéraire et pédagogique. Il correspond à une idée profonde de Norinaga. Je vous la résume d'un mot, j'espère que nous aurons le temps de voir des textes plus explicites là-dessus, et même prochainement. Mais pour Michi, il ne définira pas Michi, la voie, parce que la définition de la voie, Tao, c'est, j'allais dire, un truc de Chinois. C'est-à-dire que les Chinois ont besoin de définir la voie, ont besoin de l'analyser, ont besoin d'utiliser toutes leurs fonctions rationnelles pour définir la voie. Les Japonais, ils n'en ont pas besoin, ils la connaissent de nature, en quelque sorte. Et le travail de Norinaga, c'est de se débarrasser de se débarrasser des accrétions chinoises qui vont faire apparaître la voie, le Yamato no Michi, n'est-ce pas, qui est au sein de la mentalité japonaise, de l'histoire japonaise et surtout de la langue japonaise. Alors vous voyez que le fait que Michi, qui est appelé par la comparaison avec le poème du Genji, ne soit pas mentionné chez Norinaga, veut dire quelque chose. Entre parenthèses, vous savez que je suis très opposé à l'utilisation du terme nativiste, qui est une tradition américaine maintenant pour traduire Kokugakusha, un nativiste, le nativisme, etc. Mais en l'espèce, si on prend nativisme au sens original, c'est-à-dire le sens qui est le sens premier, quelque chose qui... On parle de l'or natif, par exemple, l'or qu'on peut trouver ou n'importe quel minerai qui n'est pas traité, là, ça va tout à fait, n'est-ce pas, dans cette idée du nativisme de la loi. Donc, alors, il faut... Cela correspond donc à une idée tout à fait... De Norinaga qui est exprimé dans ce petit poème. Alors revenons au début du texte cette fois. Aujourd'hui il y aura beaucoup de textes, j'en suis désolé, je n'ai pas mis d'illustration pour vous faire oublier tout cela, mais je pense qu'il faut comme la dernière fois j'ai beaucoup dépassé l'horaire, je vais essayer de m'y retenir cette fois, de m'y tenir cette fois-ci. Alors, nous n'en lirons, bien sûr que c'est un texte très court de toute façon, nous n'en lirons que quelques passages essentiels, à commencer par les premières lignes. Elles nous intéressent parce que Norinaga y expose en termes très généraux ce qui fait l'unique axe de sa vie, l'étude. Et il vaudra la peine de s'intéresser à son vocabulaire qui illustre ce à quoi nous avons déjà fait allusion dans les leçons précédentes. Alors là, je crois que... Est-ce que... Oui, voilà, je vais diviser en trois. Je ne vais pas, bien sûr, approfondir tous les termes, c'est bien trop, mais je vais simplement vous suggérer quelques explications. Il y a dans le monde, alors, yoni mono manabi no suji, il y a dans le monde des méthodes suji, je traduis suji, qui veut dire des lignes, n'est-ce pas, des tendances, des méthodes fort diverses et non pas une seule, de se livrer à l'étude. Mono manabi, retenez ce mot, nous y reviendrons. Dans cette diversité,
il y a d'abord ceux qui se consacrent uniquement à l'étude de la voix. Michi. Prenons comme objet, alors ce caractère mune, là, qui a été. Prenons comme objet les chroniques de l'âge des dieux. Vous avez ici Shindaiki, o Muneto Tatete. Shindaiki, les chroniques de l'âge des dieux, c'est-à-dire les deux premiers livres du Nihon Shoki. Le Nihon Shoki, nous reviendrons sur la distinction. Il s'agit donc, alors je m'amuserai en traduisant Shinto Sha, n'est-ce pas, Koreo Shingaku Toi, ou bien Kami Manabi Toi, Sono Shito o Shinto Sha, ou bien Kami Michi no Mono. Kami no Michi no Mono, To Iyu, on les appelle donc, je me suis permis de traduire Shingaku par son sens actuel, théologie, mais au sens étymologique, c'est-à-dire non pas l'étude portant sur Dieu, mais sur les dieux, n'est-ce pas ? Vous vous souvenez de la petite anecdote que je vous ai racontée la dernière fois ? Donc il s'agit donc de la théologie, et ces gens reçoivent le nom de théologiens. Shintosha. Bon, je ne sais pas si les Shintosha seraient d'accord pour que je les appelle ainsi, mais simplement pour vous montrer le découpage des mots. Donc, ce sont ceux qui se consacrent à l'étude uniquement de l'âge des dieux. Il y a ensuite ceux, et là c'est quelque chose qui nous semble un peu bizarre pour nous, les modernes je dirais, mais qui n'est pas tant que ça, et surtout pour les Japonais de l'époque, il y a ensuite ceux qui prennent pour objet de leurs études, les offices. On peut dire Kanshokugi, alors, Kanshoku Gishiki Ritsuryo Nado, n'est-ce pas ? Les offices, les rituels et les codes. Et encore ceux qui prennent pour objet le protocole, Kojitsu, les habits, Shōzoku, et les insignes, je traduis par Chōdo, c'est ce qu'on pourrait traduire les paraphernalia, les choses concrètes. En cela consiste la science du protocole, Yusoku, qu'on traduit aussi parfois par Yusoku, ou bien, il y a encore des gens qui disent Yushoku, mais donc, la plupart du temps, la prononciation la plus standardisée, enfin, si on peut dire, c'est Yusoku. Usoku est aussi possible. Alors, vous voyez, ce qu'on appelle le Yusoku Kojitsu, n'est-ce pas, la science du protocole, la science du rituel, qui pour nous est quelque chose d'un domaine absolument fermé, mais qui avait une très très grande importance dans la vie de cour japonais, au point que, comme vous le savez, les nikki qui étaient rédigés en chinois par les grands courtisans de l'époque de Heian et après, qui n'étaient pas destinés à être publiés, mais que les écrivains tenaient pour les donner après à leurs descendants, concernait pour une grande part le protocole, les affaires, comment se tenir à la cour, quel était la disposition des gens dans les cérémonies, etc. C'était quelque chose qui était considéré comme un enseignement secret parce qu'il permettait de réussir dans la vie. Alors ça nous paraît un peu, et la vie c'était la cour. Vous voyez, quand on dit yo ni mono manabi no suji, le monde, n'oubliez pas que pour les Japonais de l'époque, le monde c'est tout petit, c'est le monde. Le grand monde, je dirais, c'est-à-dire la cour et ceux qui ont affaire avec le pouvoir. Ça a bien sûr beaucoup de sens, mais avant tout, quand vous lisez les Nikki de l'époque de Heian, yo, c'est ça, c'est notre petit milieu, les gens bien, les mondains d'ailleurs. Vous voyez, alors, si par exemple vous lisez le Tsurezuregusa de
de Kenko, n'est-ce pas? Eh bien, vous voyez, donc, qui est un texte tardif de Kamakura, et tout le monde connaît c'est un texte divisé en paragraphes, tout le monde connaît les grands paragraphes, les grandes envolées de Kenko sur telle ou telle plateforme, mais il faut bien savoir que presque la moitié de Tsurezu Negusa est consacrée à des affaires de Yusoku Kojitsu, à des affaires de protocole dont on a très peu de choses à faire de nos jours, et d'ailleurs ce qui embête beaucoup les traducteurs qui la plupart du temps les sautent, n'est-ce pas? Et c'est quelque chose qui n'est pas unique au Japon. Tout le monde connaît peut-être, enfin connaît encore les lettres de Pline le Jeune, n'est-ce pas? Le Pline le Jeune, donc qui est un écrivain du 1er siècle après Jésus-Christ, dont les lettres sont absolument délicieuses, mais quand on lit l'ensemble des lettres, on s'aperçoit qu'une bonne partie, peut-être pas la moitié, mais une partie importante, est consacrée au protocole de la cour. C'est une espèce de produit dérivé du système aristocratique. Et vous voyez que dans la hiérarchie, donc, on commence par l'étude de l'âge des dieux pour Michi, n'est-ce pas? Tout ça, c'est la voie. Et vous voyez les différents sens de voie. La voie des dieux, mais après, vous avez aussi la voie, c'est-à-dire qui est plus proche du terme confucianiste, du terme confucien, de la voie, c'est-à-dire les rituels. Et encore, il y a encore en plus ceux dont l'étude va des anciens livres, Inishi et Bumi, que sont ce sont les six histoires du Japon, n'est-ce pas? Rikkokushi, on prononce Rikkoku et pas Rokkoku. Hein. Ce sont les six histoires officielles dont je vous avais parlé la dernière fois, qui ont été prolongés à l'époque d'Edo, vous vous souvenez, par le projet monumental de Tokugawa no Mitsukuni, qui est de faire le Dai Nihonshi, de renouer avec cette grande histoire des six histoires dynastiques, dont la dernière est de la fin du 10e siècle. Donc nous avons ici rédigé en chinois. Jusqu'au livre, encore une fois, Fumi, n'est-ce pas, plus tardif, sans suivre particulièrement et l'une ou l'autre méthode. Et si l'on distingue encore dans ces méthodes, on trouvera encore des variétés. Alors là aussi, très important, c'est pour ça que je l'ai mis. Il y a aussi ceux qui étudient la poésie, Uta no Manabi, Adi, avec deux variantes. Ceux qui lisent qui ne lisent que les poèmes, et ceux qui lisent les recueils poétiques et les récits des anciens temps. Vous voyez, c'est Kashu Monogatari Bumi Nado. C'est un terme qu'on retrouve après, Monogatari Bumi, donc il faut ici le lire Bumi Nado o Toki Akiram, n'est-ce pas? Donc, c'est ceux qui ne lisent que les poèmes et ceux qui élucident les recueils poétiques et les récits des anciens temps. Donc, ceux qui ne se consacrent qu'à la voix de la poésie et ceux qui lisent aussi les monogatari. Et tout cela regroupe ce que Norinaga appelle monomanabi, l'étude, et Michi, la voix. Donc nous voyons dans ces quelques lignes quelques-unes des caractéristiques de la langue de Norinaga, qui sont bien sûr le reflet direct de sa pensée de Kokugakusha et qui se retrouvent dans la tradition qui se réclame de ce nom. Nous devons les voir non comme un antagonisme avec la langue chinoise, mais encore une fois comme une altération régulière, systématique des concepts fondamentaux de la pensée chinoise. On doit bien comprendre que ces altérations ne se comprennent pas sans leur support chinois. L'altération de Do, n'est-ce pas, Dao, le Tao, en Michi est si banale que l'on n'y réfléchit plus. C'est un cas parfait d'adaptation. Mais si l'on s'y arrête un peu, on peut constater qu'il ne s'agit pas d'une simple mise en regard de deux termes préexistants. Il faudrait certes être sûr de l'étymologie du japonais Michi pour avancer ce que je vais dire. Et nous le serons que lorsque notre ami Alexandre Vovine aura terminé son dictionnaire étymologique.
Mais on peut être raisonnablement certain que, contrairement à ce qu'affirme le dictionnaire d'étymologie altaïque de Starostin et de ses collaborateurs, l'étymon de Michi n'est pas un mot de deux syllabes, Michi, à rapprocher d'un mongol comme Meur, etc. Je ne vous recommande pas le dictionnaire de Starostin, qui est qui a été publié. Je vous le recommande pour voir ce que l'on peut dire des étymologies, c'est quelqu'un qui est persuadé que le japonais est une langue altaïque, donc il explique tout par des mots communs aux autres langues altaïques. Et pour lui, Michi est un seul. Est une seule syllabe, c'est pas avec je parle en amateur, bien sûr, le i final est une sorte de voyelle d'appui. Donc nous avons un radical mitch, mit, etc., qu'il retrouve dans un mot mongol qui, à mon sens, n'a rien à voir. Mais plus directement, et bien que ce soit peut-être trop simple pour certains linguistes, il faut analyser ce terme en deux termes, mi-chi, dont le second est le substantif chi, c'est-à-dire que celui que l'on a comme lecture kun, n'est-ce pas, de ro, et que nous avons par exemple ici, vous voyez, le monomanabi no suji. Suji, c'est su-chi. Su-chi, c'est-à-dire la voie la plus simple, c'est la ligne, donc su et chi. Vous avez donc ce chi ici. Vous l'avez évidemment mi-soji no mi-chi, n'est-ce pas, la trentaine, etc. Mi-soji, le chi, c'est déjà ce terme-là. Donc c'est le mot neutre, très ancien mot japonais, pour désigner le chemin. Et puis vous avez le préfixe honorifique mi, qui indique en général tout ce qui se rapporte au dieu, au souverain ou au noble, n'est-ce pas, au très noble. Donc c'est le préfixe honorifique. C'est une formation exactement parallèle à ce que vous connaissez sans doute si vous êtes allé au Japon, à Miki. Miki, non pas le joaillier, mais le vin rituel, le saké rituel, n'est-ce pas, que l'on consomme dans certains, ou que l'on offre aux dieux dans certaines occasions, qui est clairement divisé en ki, qui est un très vieux mot aussi, attesté par exemple dans le manioshu pour tout ce qui est alcool. Je le traduis par vin parce que en français, le vin n'est pas forcément fait avec du raisin. Vous savez bien, il y a du vin de pêche, etc. Donc le mi-ki, c'est l'auguste vin, l'auguste alcool, et de même, mi-chi, l'auguste voix. Donc c'est déjà un mot, c'est donc l'auguste vin destiné aux divinités et l'auguste chemin, que ce soit la voix des dieux, et donc un peu comme le Shinto, n'est-ce pas, c'est presque la même chose, ou bien la voie sacrée menant à un sanctuaire, quelque chose comme le Shentao des tombeaux chinois. Le terme pouvait donc être abstrait ou concret, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il ne dénotait pas n'importe quelle voie ou chemin, ce qui était le sens de chi, tout simplement. Michi, donc, comme lecture de Do, de Tao, était donc dès l'origine valorisé. Et Nolinaga en était certainement conscient, puisqu'il remarque quelque part que l'une des graphies possibles, je ne vous l'ai pas donné, mais je vous en donnerai la prochaine fois, de Michi, en s'appuyant sur le Manioshu, dans plusieurs poèmes du Manioshu, Michi est écrit avec deux caractères chinois. Le premier, c'est Utsukushi, Uruwashi, n'est-ce pas, Utsukushi, Mi, et l'autre, c'est chi, chi, shirukoto, n'est-ce pas, le savoir. Donc, michi est décomposé. Alors, vous voyez comme c'est amusant. Michi est exprimé en caractère chinois phonétique, mais qui retrouve un sens, forcément. Je vous ai déjà expliqué que tout caractère chinois a un sens. Et michi est appelé la belle sagesse, n'est-ce pas, lorsqu'il est phonétisé en chinois, et c'est un terme... Bien que Nolinaga n'aime pas trop passer par le chinois, là, il trouve quelque chose à son goût, n'est-ce pas ? Michi, la belle sagesse, donc c'est la voix étant survalorisée par sa transcription chinoise en belle sagesse. Donc, elle est
C'est une glose donc, qui développe une nuance appropriée au système de Nolinaga, cette belle sagesse et qui est la sagesse des dieux et la voix des dieux et qui, encore une fois, n'est pas explicitée chez Nolinaga. On verra. Alors, la même chose, le même cheminement nous frappe dans le premier mot du texte, ce monomanabi, rendu ici par étude, et que Nolinaga utilise systématiquement dans le sens du composé sino-japonais que vous connaissez tous, gakumon. Rien de plus japonais que ce terme, avec son monomanabi, n'est-ce pas ? Avec son mono préfixé comme directionnel, si j'ose dire, qui implique la transitivité de l'étude, de la science, vers l'extérieur, vers un objet ou un interlocuteur extérieur. Entre parenthèses, je l'ai dit au séminaire, mais le terme monoiyu, n'est-ce pas ? Je vous le dis parce que ça a provoqué la perplexité de certains japonisants. Monoiyu veut dire parler, tout simplement. Et souvent, certains japonisants le traduisent par dire des choses, en trouvant bizarre que mono, qui d'habitude désigne des choses concrètes, et plutôt que koto, n'est-ce pas ? Donc normalement, ça devrait être koto-iyu plutôt que mono-iyu. Mais vous voyez bien que ça n'a rien à voir. Mono ici, dans mono-iyu, mono-manabi, mono-mané, etc., etc. Ça désigne simplement, c'est une fonction entièrement grammaticale et pas sémantique. Ça désigne avec un objet extérieur. Pour moi, c'est un directionnel. Donc l'utiliser pour traduire gakumon, qui est un terme parfaitement fondamental en chinois et en japonais sinisé, est tout à fait, bien sûr, apte à transposer le but des kokugakusha, exprimer le but des kokugakusha en reprenant et japonisant le but des kangakusha. Alors, d'ailleurs, Nolinaga lui-même, dans cet opuscule, utilise en alternance monomanabi et gakumon. Mais comme il a l'habitude de prononcer les composés chinois souvent à la japonaise, il est impossible de savoir si, lorsqu'il écrit gakumon, il ne veut pas dire monomanabi. Bon, c'est... Alors, les paragraphes suivants vont développer les généralités sur l'étude. Nolinaga insiste sur le fait que l'on ne peut imposer à quelqu'un le domaine qu'il souhaite étudier, mais qu'il s'agit toujours d'un choix personnel. Vous voyez, c'est pas du tout directif. Et il envisage d'ailleurs plusieurs possibilités chez ses auditeurs, en particulier ceux qui se mettent à l'étude sur le tard. N'est-ce pas ? Il a déjà l'université du troisième âge, ce qu'il appelle le bangaku, ce qui est une catégorie déjà d'ailleurs bien étudiée en Chine. Et d'un autre côté, puisqu'on lui demande conseil, vous voyez, il est à la fois très libéral, il semble dire qu'on n'a pas besoin de conseil, mais puisqu'on les lui demande, il va lui en donner. Et il va en donner. Et c'est ce qu'il va faire en entrant dans le vif, tout de suite dans le vif du sujet. Sate, sono, là il faut dire, sono mune toshite, yorubeki suji, voilà, encore une fois, suji, vous voyez, suji. Ainsi donc, si l'on s'en tient à cette méthode, la teneur essentielle en étude de la voix, La teneur essentielle en est l'étude de la voix, n'est-ce pas ? Le mune toshite yorubeki suji wa izurezo to yeba michi no gakumon ou michi no monomanabi nari. Ce sont vraiment des termes fondamentaux. C'est l'étude de la voix. Et pour ce qui est de cette voix, vous voyez tout de suite, n'est-ce pas ? Il s'agit de la voix de la grande divinité Amaterasu no Omikami, la voix qui régit Shiroshimesu, l'empire Amenashita, du souverain Sumerogi, de la voix véritable Makoto no Michi, qui s'étend aux myriades de royaumes ou pays du monde, Shikai Bankoku. Là, il faut sans doute le lire en lecture phonétique, sinon on pourrait lire Yomo no Umi, et Yorozu no Kuni, mais ça ferait quand même un peu long. Yomo no Umi, Yorozu no Kuni, ni Yuki Wakaritaru, peut-être. Alors,
elle s'étend aux myriades de royaumes, et là ça veut dire vraiment le monde, mais qui ce n'est transmise que dans notre seul empire, Mikuni. Et si l'on demande de quelle sorte est cette voie, on l'a dit un cliffhanger, n'est-ce pas? Alors, vous voyez que ceux qui ont assisté au cours sur JN il y a quelques années de ça se retrouveront certainement en terrain familier, et pourtant avec un gauchissement, une altération encore une fois. Si nous retrouvons l'idée ô combien traditionnelle de la lignée impériale descendant d'Amaterasu, tout le versant bouddhique par lequel Jien justifiait le pouvoir impérial se trouve ici gommé. Mais l'on trouve cette expression Makoto no Michi, dont la résonance est fortement bouddhique, Jitsudo. C'est la voie véritable, avec Makoto comme lecture explicative de Jitsu, est un terme qui se retrouve très souvent dans le Gukansho, le sens de Makoto, n'est-ce pas? Et on a au moins une fois chez le Gukansho, n'est-ce pas, l'étude sur l'histoire de Jien, dont je vous ai parlé il y a quelques années, écrite vers 1221 vers 1223, et qui est Nolinaga n'en parle jamais, il ne parle jamais de Jien. Mais il a certainement en tête, parce que nous trouvons par exemple chez Jien une expression comme Makoto no Dori, Makoto no Kotowari, n'est-ce pas, c'est-à-dire le principe véritable qui est celui de la voie impériale. Donc ici, comme vous l'avez vu, j'ai fait exprès de vous donner tous les mots, n'est-ce pas, Sumerogi no Amengashita no Shiroshimesu, etc. Ce sont tous des mots traditionnels des Yamato Kotoba pour définir tout ce qui relève de la titulature impériale. Et on n'oubliera bien sûr pas de relever que le Mikuni, l'empire, le royaume, désignation privilégiée chez Nolinaga de la nation japonaise. Et là aussi, il y a exactement comme pour Fumi, n'est-ce pas? Kuni est un emprunt au chinois, un très vieil emprunt au chinois, qui n'est même pas du caractère koku d'ailleurs, mais qui est du caractère gun, n'est-ce pas? Et qui a été utilisé comme lecture traditionnelle japonaise de koku. Alors que donc c'est un emprunt ancien de langue chinoise, mais que Nolinaga considère comme un mot japonais. Mais donc voyons la suite de cette phrase. Sono ikanaru sama no michizo to yuni, n'est-ce pas? De quelle voie s'agit-il? Kono michi wa. Alors, c'est la voie qui est inscrite dans les deux écritures futa mi fumi, n'est-ce pas? Futatsu mi. Vous voyez qu'il rajoute mi à fumi ici, encore une fois ce qui relève des dieux ou de l'empereur. Il s'agit donc des deux, on pourrait traduire des deux écritures sacrées. Je ne vois pas pourquoi. C'est mi, c'est ce qui relève vraiment du sacré, du pouvoir divin et impérial. C'est la voie qui est inscrite dans les deux écritures sacrées que sont le Kojiki et le Nihonshoki, et qui est tout entière donnée, n'est-ce pas, Sonawaritari, dans les événements des premiers âges. Kamitsuyo no. Alors, no, Kamitsuyo no. No. Et le Kaminoyo no Moromoro no Jiseki no Ueni. Je reviendrai sur ce mot dans un instant. Donc, des premiers âges à l'âge des dieux, Kamitsuyo et Kamiyo. Il faut bien examiner encore et encore les livres des premiers âges de ces deux écritures. Vous voyez le Nihonshoki, ce sont simplement les deux premiers kan, les deux premiers livres du Nihonshoki qui sont consacrés à cette période. Le reste, c'est l'histoire à proprement parler. Nous ne serons pas étonnés de trouver la référence à ce qui fait désormais office de texte fondateur pour les Kokugakusha, la chronique des choses anciennes, donc le Kojiki, et les annales du Japon, donc respectivement de 712 et 720, vous le savez bien. Nous reviendrons bien sûr là-dessus, mais remarquons d'ores et déjà que les deux ouvrages, bien que superficiellement semblables en ce qu'ils sont entièrement notés en caractère chinois, sont en réalité deux manifestations bien différentes de la sinoglossie. Le Shoki étant rédigé dans un chinois bien plus correct que le Kojiki, dont on peut légitimement affirmer qu'il n'est pas écrit en chinois, mais plutôt en japonais sinisé. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Nolinaga en a fait l'axe de son œuvre philologique,
qui consiste largement à décrypter le chiffre de cet écrit afin d'y retrouver la clé de l'esprit du Japon, ce qu'il appelle ici la voie. Et remarquons la façon dont il la présente. Elle est fournie, elle est donnée, sonawadu, à partir ou au-dessus no ueni, n'est-ce pas, des événements, jiseki no ueni, des événements relatés dans les deux livres. Bien que tout le monde ait sans doute tendance à lire le binôme pour événements jiseki, vous voyez, troisième ligne. Tout le monde le lirait, comme je viens de vous le faire, jiseki. Pour quelqu'un comme Nodinaga, pour qui les caractères chinois cachent et gauchissent des réalités japonaises, on ne peut écarter la possibilité qu'il ait voulu lire ce composé en lecture explicative, qui est attestée dans le Manyoshu, et qui est sous la forme donc Kototo. Kototo, n'est-ce pas ? Koto-ato, donc Kototo, la lecture de Jiseki. De même que Gakumon alterne chez lui avec Monomadami. Nous pouvons être certains qu'il avait bel et bien en tête Kototo. Qu'il ait oralisé le terme sous cette forme, nul ne peut l'affirmer ni le nier. Pour ce qui est de la référence à l'âge des dieux, Kamiyo, Shindai, elle coule de source. C'est l'époque qui va de la création du monde, de la séparation du ciel et de la terre, indiquée par une locution sino-japonaise, n'est-ce pas, Tenshikaibyaku, jusqu'au premier empereur japonais, Jimmu, dont la date traditionnelle est de 660 avant Jésus-Christ, et qui est donc, cette période est décrite dans les deux premiers livres du Shoki, et dans le premier livre, le Kami no Maki du Kojiki, qui n'en comporte que deux, n'est-ce pas, vous le savez. Ici encore, nous devons remarquer le jeu entre les caractères chinois et les lectures japonaises qui leur sont appliquées par Norinaga, qui se réfèrent souvent à un antique usage, tel qu'on les trouve aussi dans les Norito, par exemple. Mais il les systématise afin de leur donner une valeur particulière. Nous avons déjà vu que Norinaga fait un usage multiple du très vague Fumi, pour exprimer en pur japonais tout ce qui relève de l'écriture. Par l'adjonction du préfixe honorifique « mi »,« mifumi », il confère aux deux œuvres un statut sacré « mifumi » qui est renforcé par l'utilisation du caractère chinois « ten ». Vous voyez, la locution « niten », ici, c'est bien « futa mifuni ». Et le « ten », utilisé en Chine, chez les historiens chinois, les penseurs chinois, le mot dian, n'est-ce pas, est utilisé pour les écrits des premiers empereurs mythiques, pour les codes de loi, pour tout ce qui est officiel et classique. Ainsi encore, Norinaga glisse subrepticement, pour ainsi dire, quelque chose qui n'est pas dans le. Il met dans le japonais une nuance qui va renforcer le côté chinois. Vous voyez que mifumi, eh bien, c'est exactement parallèle à michi. Mifumi, michi. Il s'agit d'un mouvement naturel chez un lettré japonais, alors qu'autrefois, c'était les kana japonais qui glosaient les textes de référence chinois. Chez le kokugakusha, c'est différent. La direction est inversée. Ce sont les caractères chinois, ten, qui glosent mifumi. Ils indiquent la dimension où ils doivent être compris. Voilà en tout cas la première indication fondamentale. L'étude de la voie se fonde désormais sur les deux textes fondateurs de la tradition historique japonaise qui apparaissent véritablement comme des écritures saintes, mifumi, au même titre que les classiques chinois pour les lettrés confucianisme. Il s'agit vraiment ici d'un transfert de paradigme, comme on dirait en américain. Donnons encore quelques lignes de ce passage qui nous permettent de mieux nous repérer dans l'œuvre de Norinaga, puisqu'il va donner des indications de lecture portant sur ses propres œuvres. Alors, Ui Manabi no Tomogala, n'est-ce pas ? En outre, les débutants dans l'étude devront lire mon ouvrage, Norinaga ga arawashitaru, du juste langage de l'âge des dieux, le Kamiyo no Masakoto. Et ce, des dizaines de fois. Et se familiariser avec la langue antique. Furukoto. Kongo est lui ici, Furukoto. Avec la langue antique et ses énoncés. Se familiariser avec la langue antique en ses énoncés, c'est ainsi que je traduis sur Furukoto no yo-o kuchinareshi. Kuchinareshi.
ainsi que l'esprit de purification, Naobi no Mitama, un texte sur lequel nous reviendrons plus longtemps, les 100 poèmes des lances précieuses, Tamahoko Hyakusho, le précieux étui à peigne, évidemment, le Tamakushige, et la fleur de marron tassé, c'est kuzubana, ce kuzubana, n'est-ce pas, c'est quelque chose, une plante médicale, une simple qui sert à soigner la gueule de bois, n'est-ce pas. Et c'est donc là, elle est utilisée ici pour remettre les idées en place. On pourrait traduire plus élégamment par l'hélébore. Vous savez, l'hélébore qui était la plante qui soignait la folie. Et on alternait, dès le début des études, vous voyez, Nyugaku no Hajime Yori, dès le début des études, on alternait la lecture avec celle des deux écritures, mes œuvres et les futamifuni. Mais Futamifuni. Laissons de côté les deux derniers titres qui concernent des questions que nous n'aurons pas le temps d'aborder. Le Tamakushige, qui se rapproche d'un traité d'économie et de politique appliqué selon les principes de la loi véritable qu'il a mise en lumière, rédigé en 1787 à la demande du seigneur de Kinokuni, et le Kuzubana, donc le remède à la Futsukayoi, n'est-ce pas, qui est une réponse aux critiques d'un confucianiste japonais à l'encontre de l'un de ses ouvrages. Les trois autres titres, en revanche, nous concernent plus particulièrement. Le Kamiyo no Masakoto est de 1789. C'est une transposition en japonais littéraire compréhensible du premier livre du Kojiki. C'est une traduction. C'est donc le résultat d'une vide enquête philologique de Norinaga, où il met à la disposition des débutants une version directement lisible de son texte fondateur. Le Naobi no Mitama, Naobi qui signifie l'état de pureté auquel on est parvenu après une période de pratique ascétique, est rédigé en 1771 et il est inclus dans le premier livre du Kojikiden. Il a déjà une fonction introductive, n'est-ce pas ? Il se veut une mise au net de la notion de voix, c'est pour ça que nous le réutilisons, dont il ne fournit cependant pas une définition. Il vient dans le contexte du traité, à la suite de petits traités de même taille sur les caractères syllabiques, puis sur la lecture explicative. Il s'agit donc clairement pour lui d'une introduction générale au Kojiki. Et enfin, le Tamahoko Hyakusho, qui nous retiendra lors de l'avant-dernier cours. Ce terme de Tamahoko, et nous revenons à Michi encore, signifie littéralement aux lances de jade, n'est-ce pas, aux lances précieuses, aux halbardes de jade. Et c'est un Matsuda Kotoba qui s'applique avant tout à Michi, précisément. C'est, on trouve toujours dans les waka, n'est-ce pas, Tamahoko no Michi, et qui est que non. La traduction en est délicate. Hein. Littéralement, ce sont des halbardes de jade qui pourraient être désignés ceux que portent les gardes auprès d'une noble personne et de l'empereur lorsqu'il va vers la voie, vers le sanctuaire ou le palais royal. Et ça peut vouloir dire aussi des rochers de joyaux ou même des colonnades. Et nous consacrerons l'avant-dernière leçon à ce recueil de 132 poèmes, 100 poèmes sur la voie, 32 poèmes sur des événements historiques, les jiseki, les kototo, dont je vous parle ici. Alors, ils sont consacrés donc à la voie, et ça a été compilé aussi tardivement en 86 ou 87. Et fait remarquable, ce qui nous intéresse aussi beaucoup, ces poèmes ne sont pas écrits dans le syllabaire courant, mais Norinaga reprend le système des manyogana, c'est-à-dire il utilise les caractères chinois pour les syllabaires japonais. Ce qui est un archaïsme particulier, même à cette époque de fin d'Edo, où l'on assiste à un regain d'imitation du manyoshu en poésie, je vous l'avais dit la dernière fois. On pourrait éventuellement aussi penser au Shinsen Manyoshu, le nouveau Manyoshu, qui est attribué à Sugiwara no Michizane, le grand poète qui est mort en 903. Et une partie, en tout cas, a été rédigée par lui. Donc, le trait particulier du recueil de Norinaga, c'est assez particulier pour que je vous le signale et fasse un rapprochement, est qu'il a un thème entièrement philosophico-politique.
Cela le singularise dans le genre de la centurie poétique. Vous faites des centuries sur le Manyoshu, sur le Sutra du Lotus, sur l'amour, sur le printemps, enfin tout ce que vous voulez, mais sur des thèmes comme Michi, il n'y en a pas beaucoup. Or, à quoi peut-on penser ? Il suffit de plonger, de plonger dans nos cours d'il y a deux ou trois ans, et se souvenir de Jien, qui, encore une fois, dont on peut se demander si Nolinaga ne l'avait pas non plus en tête lorsqu'il a fait ce recueil, puisque vous vous souvenez que Jien avait fait une centurie, une centaine de poèmes, intitulée Naniwa Hyakushu, qui était une centurie thématique, mais qui était. Elle était double, c'est-à-dire qu'elle avait, un thème. Elle était divisée selon les deux vérités. Vous vous souvenez, la vérité vulgaire et la vérité authentique, Zokutai, Shintai, ce qui est déjà une singularité, mais surtout, il était entièrement consacré au prince Shotoku Taishi. C'est-à-dire que c'était une centurie politique. Et ces deux vérités chez Jien étaient considérées comme l'axe moteur de l'histoire du Japon. Et surtout le prince Shotoku, qui est aussi le modèle exemplaire du souverain légitimé selon les deux voies, la loi du roi, Obo, n'est-ce pas, Onoho, Osamanoho, et la loi de Bouddha, Buppo. Ce n'est pas la seule analogie que nous retrouvons entre Jien et Nolinaga. Mais nous voyons aussi combien chez deux lettrés, penseurs, religieux, dont les positions sont aussi différentes du point de vue des croyances religieuses, la notion de voie se reconstitue, pour ainsi dire, naturellement autour de celle du souverain, selon le bouddhisme d'un côté, selon le shintoïsme de l'autre. Chez Jien, Shotoku Taishi justifie la voie royale par la voie bouddhique. Mais non, on n'oubliera pas que dans le cas de Jien, les deux doctrines ne sont pas du tout exclusives l'une de l'autre. Ce sera plutôt le travail des Kokugakusha de les séparer, et Nolinaga sera l'un de ceux qui iront le plus loin en ce sens. Il continue ensuite. De cette façon, l'on comprendra sans doute et la présence de la voix dans les événements relatés dans les deux écritures sacrées, et le sens général, Michi no Omune, de cette voix. Cette propédotique permettra donc de mieux saisir le sens des deux écritures sacrées. Puis vient la brève conclusion qui donne le vrai sens de la démarche studieuse pour Nolinaga. De plus, Kudari no Fumi, n'est-ce pas ? Maintenant on dirait Kudan, mais c'est Kudari no Fumidomo wo Hayaku Yomaba. Si on lit ces deux, ce n'est pas de la lecture rapide, n'est-ce pas, à la Woody Allen, c'est lire tôt, n'est-ce pas ? Si l'on lit ces deux écrits suffisamment tôt, on raffermira Katamarite, l'âme japonaise, Yamato Tamashi, et cela servira aussi à faire une protection, Mamori, pour ne pas tomber dans l'esprit chinois. Vous voyez ici, Kanagokoro ni Ochiiranu, Mamori ni mo Yokarubeki. Donc, pour ne pas tomber dans l'esprit chinois. Ceux qui se destinent à l'étude de la voix tiendront pour restant essentiel de se purger susugi salité, n'est-ce pas, de ce kiyoku susugi salité, de l'esprit chinois et de l'esprit confucianiste, jugokoro, vous avez kanagokoro, jugokoro, une locution qui vient souvent, ainsi que d'affermir l'âme japonaise. Voilà donc proférés les mots-clés de la démarche de Nolinaga. Certes, des termes qui existent déjà de longue date, nous l'avons vu à la leçon précédente, mais qui seront pour lui les deux devises de son combat, l'âme japonaise, l'esprit chinois. Nous n'avons pas à tenter de systématiser une nomenclature qui ne l'était pas. Les Japonais ont toujours utilisé plus couramment Yamato Gokoro que Yamato Damashi. Et Nolinaga le premier, comme on atteste son célèbre poème, sans doute le plus connu
bien qu'il ne figure pas dans ses recueils poétiques, dans son grand recueil poétique, le Suzuya no Shu, enfin tout le monde connaît ce poème, et il a été très décrié évidemment, puisque c'est un poème qui a accompagné toutes les. Jusqu'aux dernières journées de la guerre, de la Seconde Guerre mondiale, n'est-ce pas? Les Japonais, Shikishima no Yamato Gokoro wo Shitoto Waba, Asashini Niyou, Yamazakura Bana, ou bien Yamazakura Kana. Vous avez, c'est beaucoup moins joli, mais vous avez une variante, enfin, Yamazakura Kana. Mais je vous propose, c'est la plus connue, c'est, enfin, tout le monde la connaît, n'est-ce pas? Donc, si l'on demande quel est le cœur du Japon, le cœur du Yamato, Shikishima est un Makura Kotoba de Yamato qu'on pourrait traduire. Qui, en réalité, c'est un lieu, c'est un toponyme de la région du Yamato, justement du Japon central, mais qu'on peut aussi traduire par aux îles qui se déploient, n'est-ce pas, qui déploient ces îles. Donc, si l'on demande quel est le cœur du Yamato, eh bien, ce sont les fleurs de cerisier qui s'épanouissent. Niyou veut dire à la fois répandre ses effluves et resplendir au soleil levant. Et n'oubliez pas que c'est aussi le terme Idoha Niyoedo, n'est-ce pas, Idoha, dans le phénoménal qui déploie sa splendeur. Donc il utilise ici, c'est sans doute le poème le plus célèbre de Nolinaga, mais on voit qu'il utilise Yamato Gokoro au lieu de Yamato Damashi. Nous nous souvenons de la leçon précédente que nous avons dit que ce dernier terme était opposé à Karazae, savoir-faire chinois, plutôt qu'à Karagokoro dans le vieux dans à l'époque de Heian, n'est-ce pas? Il faut aussi remarquer que alors il y a un jeu de mots, là aussi, qu'on ne relève jamais, c'est très bizarre. Le mot pour Chine, n'est-ce pas, Kara, la lecture japonaise Kundoku, Kara, est la lecture explicative du caractère chinois To, n'est-ce pas, Tang, n'est-ce pas, qui est bien attesté, Kara, mais... il y a dans Karagokoro, tout le monde le comprend, il y a un jeu de mots avec le cœur, l'esprit vide, vaniteux, vain, n'est-ce pas? Karapoi, qui est vide, évidemment. Et on dit, c'est une méchanceté de non, enfin, c'est le kara de karaté, si vous voulez. Or, il faut bien voir que le caractère chinois Tang, déjà en chinois, a aussi le sens de vide, munashi. Et qui est bien attesté de longue date. Donc, je pense que ce caractère de kana avait déjà été utilisé comme kundoku, comme lecture explicative par les Japonais, pour donner les deux sens, les deux nuances, n'est-ce pas, du caractère chinois. Si bien que ce n'est pas un abus de langage de plaquer le sens de vide sur le caractère to, mais il est déjà dans le caractère to lui-même. Enfin, j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. C'est très subtil, mais ce n'est pas une méchanceté japonaise gratuite, disons. Il est déjà dans le caractère chinois. C'est quelque chose qu'on ne remarque jamais. Je ne sais pas pourquoi. Alors, il faut encore ajouter une remarque. Le terme kokoro exprime éminemment la subjectivité en japonais, comme en chinois. Et on se souviendra que très souvent, dans les traductions chinoises de textes bouddhiques, le caractère shin, c'est pas shin, rend tout simplement la première personne de la conjugaison sanscrite. Sans vouloir accuser Nolinaga de manque d'empathie à l'égard de ses voisins continentaux, il est peu probable qu'il se soit soucié de leur psychologie. D'ailleurs, alors, autant donc le terme de Karazae est objectif en quelque sorte et concerne bien la réalité chinoise et continentale en tant que savoir-faire transférable, autant le terme de Karagokoro, que l'on aurait tendance à rendre de façon mécanique par esprit chinois, c'est-à-dire esprit des Chinois, n'est pas à appliquer aux habitants de ce pays, la Chine, mais aux Japonais qui cherchent à s'imprégner des enseignements chinois et à les réaliser en leur pays,
en parfaite incongruité avec les mœurs et la mentalité, mentalité dans un sens de Kokoro, japonaise. Donnons simplement, sans y insister, mais pour montrer ce Kara Kokoro faisait, faisait déjà l'objet de critiques amusées d'un certain nombre de lettrés japonais, un fragment du passage où Tominaga Nakamoto, n'est-ce pas, qui est mort pratiquement autour de la naissance de Nolinaga, il est mort en 1730 ou 36. Donc Tominaga Nakamoto, dans son Okina no Fumi, je vous en ai peut-être déjà parlé, je ne vous en parle pas ici, c'est un petit texte satirique en japonais classique, où il se moque à la fois des bouddhistes, des confucianistes et des shintoïstes. Et voici ce qu'il dit à propos des confucianistes japonais. C'est Tominaga qui parle ici, et pas Nolinaga, n'est-ce pas ? Alors, voici Tominaga Nakamoto. De même, puisqu'en Chine, la viande constitue le mets principal, nos confucianistes devraient élever porcs et moutons et en faire leur nourriture quotidienne. Ils devraient réfléchir à l'agencement de leur menu en suivant les instructions du Liti, n'est-ce pas, du Raiki, c'est-à-dire le livre des rites. Les mariages devraient s'effectuer selon le rite du Qingying, qui est l'un des six modes de mariage chinois, tandis que les repas de funérailles devraient se tenir en présence d'un substitut du défunt. Vous savez que dans les repas de funèbres chinois, vous avez la place du Shi, n'est-ce pas, le Kaban, le mort, n'est-ce pas, qui était là. Et pour l'habit, il devrait porter la robe et se couvrir le chef d'un bonnet de lettré. Nos confucianistes modernes, japonais, avec leurs tuniques et pantalons, leurs chevelures tombantes, n'ont pas conservé grand-chose de l'aspect chinois. Mais surtout, les lettrés se devraient d'utiliser la prononciation et l'écriture chinoise. La première présentant de nombreuses variétés, ils devraient adopter le dialecte du pays de Lu à l'époque Zhou, n'est-ce pas, au début du premier millénaire, et la seconde étant fort diversifiée, c'est aux styles archaïques, le grand sigillaire et le style des têtards, pour l'écriture chinoise, qu'il faudrait avoir recours. C'est à ce kanagokoro, à cette vanité mimétique que s'oppose Nolinaga, et non aux lettrés chinois. Il est en cela dans la tradition de Tominaga Nakamoto. Il vaudrait donc mieux parler, comme nous l'avons dit, de mentalité sinisée ou de sinisation des esprits. Et relevons aussi, dans ce passage de Louis Yamabumi, la répétition de la nécessité de renforcer ou raffermir l'âme japonaise. Tel est le nœud dans son activité de pédagogue. Ne plus permettre que les Japonais se sentent en état d'infériorité au regard de l'immensité de la culture chinoise. Opération qui nécessite une véritable purge. Remarquons en passant que la mentalité sinisée est pour lui synonyme de mentalité confucianiste, jugokoro, terme pour lequel il ne cherche pas de transposition japonaise. Donc, je vais abréger considérablement la fin. Je vous dis simplement qu'il conseille en plus la lecture du Manyoshu, la lecture du Manyoshu et très brièvement aussi la lecture du Kojiki, du Kongoshui, qui est un livre rédigé en 807 où il y a des passages du Kojiki. Maintenant, on se demande si c'est le Kongoshui qui citait le Kojiki ou bien le Kojiki fait après qui citerait le Kongoshui. Bon, je ne viens pas là-dedans. Donc, tel est donc le canon pour Nolinaga. Il reconstitue ainsi une entité textuelle qui va du Kojiki au Manyoshu et pour s'aider à y frayer un chemin, le débutant est renvoyé aux écrits de Nolinaga lui-même. Il s'agit du canon de ce que Nolinaga appelle aussi le Inishie Manabi, Kogaku, c'est l'étude de l'Antiquité. C'est pour lui le fondement irremplaçable d'une véritable compréhension de la voie antique. Et l'on dira, et le Genji Monogatari dans tout ça ? Eh bien, il n'en parle quasiment pas. Il dira, on lira aussi... on lira aussi constamment les romans, Monogatari Bumidomo, comme nous en faisons un exposé détaillé dans le peigne précieux du Genji Monogatari, nous le mettrons ici.
Ce laconisme étonnant demande bien sûr à être expliqué, mais nous ne pouvons que faire des conjectures. Nolinaga estime sans doute qu'il est impossible de mettre sur le même plan le Genji, dont il ne fait ici qu'une partie du plus grand ensemble des monogatari, en insistant bien sur le pluriel, monogatari bumi domo, avec les textes véritablement fondateurs qu'il vient d'énumérer. C'est aussi certainement qu'il estime que le sens, le kokoro du Genji, ne se laissera pas résumer en quelques mots. Et on remarquera cependant qu'il emploie l'adverbe constamment, tsuneni, n'est-ce pas ? Ces romans ne se doivent pas lâcher. Nous reviendrons à la prochaine leçon sur quelques notions fondamentales évoquées ici et sur la façon paradoxale qu'a Nolinaga de les manipuler. Nous voyons en tout cas que les débutants qui commencent l'ascension de la montagne de la science, monomanabi, doivent s'équiper sérieusement tout en se délestant du superflu qui est pour notre auteur la science chinoise. Jusqu'où pourra-t-il maintenir une telle gageure ? Je vous remercie de votre attention et je vous prie de m'excuser pour le retard encore une fois.